Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonsoir à ce nouveau numéro de votre émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque heure, à chaque fois que je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire, le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Excusez-moi encore une fois de plus. Je commence à me rendre compte que je fais beaucoup cette erreur-là. Bon, évidemment, les émissions que j'ai fait souvent, je le prépare. Je révise certaines de mes notes avant de commencer. Ça fait que parfois, j'y lance des émissions avec mes lunettes de lecture. Alors que je vais plutôt changer. Bon, après, j'ai demandé à mon médecin de me trouver un... comment on appelle ça? Double foyer, je crois, un truc comme ça, où je n'aurais pas besoin d'avoir des lunettes pour regarder de loin ou de près. Donc, je voudrais vraiment qu'on mette ça ensemble. Excusez-moi si ça vous embête. J'ai vu un téléspectateur m'appeler pour me dire, mais comment tu changes de lunettes? Moi, je vais changer de lunettes, évidemment, quand il faut lire. Mais là, je devais commencer, mais excusez-moi, parce que j'étais déjà... J'étais en train de lire avant de commencer, donc je me dois d'échanger mes lunettes. Alors, j'ai dit que à chaque fois que je viens, j'ai l'habitude de dire que c'est les tempos de l'actu, selon notre feeling, parce que ici, nous sommes dans le cadre d'un magazine d'opinion. C'est donc M. Claude Perrault-Louara qui vient opiner sur l'actualité de son pays. Je suis Congolais, je suis citoyen de ce pays-là. J'ai donc le droit d'apporter mon regard par rapport aux questions importantes qui retiennent l'actualité de mon pays. J'ai donc le droit de dire que politiquement, sportivement, juridiquement, voici ce qui se passe. Et moi, M. Claude Perrault-Louara, voici ce que moi je pense de ça. C'est donc le but de cette émission. Et je voudrais ici vous rassurer qu'en les faisant, je ne suis pas en train de tordre le cou à ce travail de journaliste. Je vois certains de mes détracteurs, ou beaucoup de mes détracteurs, me dire « ça, ce n'est plus du journalisme ». Non, c'est du pur journalisme. Ils acceptaient ça quand, par exemple, ils suivent ça sur France 2, sur telle autre télévision. Mais quand c'est leur propre frère qui le fait, on trouve toujours des astuces, des petits trucs pour redire. Non, non. En journalisme, le journaliste étant un citoyen, la profession lui donne la possibilité de pouvoir opiner, de donner son opinion sur l'actualité ou sur une question donnée. Et pour cela, il use donc de ces genres journalistiques qu'on appelle éditorial. Donc ici, je suis dans la peau de l'édito, de l'éditorialiste et je donne mon point de vue. Je voudrais donc très sincèrement vous dire merci. Merci pour l'intérêt renouvelé que vous nous accordez. Merci pour vos confiances, pour vos multiples messages d'encouragement. La main sur le cœur, je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier et vous dire que rassurez-vous que si nous travaillons, si nous existons, c'est parce que vous, nos téléspectateurs, vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, vous, nos nombreux téléspectateurs répandus à travers la République, vous êtes nombreux qui nous regardez en France, en Belgique, en Papouasie, partout dans le monde. Bientôt, je suis en train d'organiser mon agenda parce que je voudrais finalement commencer à rencontrer des Congolais avec des tournées parce que je trouve qu'il est quand même temps que je commence de manière présentielle à partager mes convictions, mes idéaux, et ce que je pense et ce que je vois pour notre pays. Je suis en train de travailler avec mes équipes, avec mes équipes, je vais dire. On va peut-être bientôt commencer à faire des tournées comme ça. On sera demain en France, après on est peut-être en Belgique, après on va peut-être au Canada, après. Question de vous dire un peu à comment je vois les choses, parce que chaque jour qui passe, l'amour du Congo m'étreint et voir la situation dans laquelle se trouve notre pays, je suis tout simplement en larmes. Et
Je voudrais que si je mourais aujourd'hui, que je sois fier du travail que j'aurais accompli pour ce travail, pour ce pays-là. Que mes enfants se disent, non, on avait un père qui aimait son pays, qui faisait des choses pour son pays. Donc, voilà, on va... Mais rassurez-vous, je ne mourrai pas aujourd'hui. Je mourrai rassasié des jours. Je mourrai très, très rassasié des jours. Ça, c'est des promesses que j'aurais reçues de Dieu. Donc, voilà. Je voudrais, avant de commencer mes émissions, vous demander deux, trois petites choses. Si vous êtes un habitué de ces shows, vous connaissez de quoi je veux parler. La première des choses que je voudrais vraiment vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. Vous êtes aujourd'hui à 85 500. Je regardais juste avant de commencer l'émission. 85 500 à s'être abonné sur à notre chaîne. La main sur le cœur, sur le cœur, je tiens à vous dire merci. Et je tiens aussi à vous demander d'être des propagandistes et des évangélisateurs du travail que nous faisons. Donc, allez évangéliser. Aller être des évangélistes, j'ai dit évangélisateurs. Bon, prenez ça comme un néologisme s'il n'existe pas. J'ai aussi les droits de faire des néologismes. Ça, c'est une pratique française qui existait donc. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à évangéliser pour votre chaîne, vous inviter à partager ce que nous faisons ici. Donc, abonnez-vous, c'est des choses qui nous font chaud au cœur. Si vous avez des amis, vous avez des proches avec lesquels vous regardez ces émissions et qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, demandez-leur de les faire, ça me fera énormément plaisir. La deuxième des choses, je voudrais vraiment vous dire merci parce que je me rends compte que ces messages commencent de plus en plus à passer. Et je me rends compte que le taux des likes et des partages de nos vidéos a sensiblement augmenté. Faites-le. Si vous nous aimez, si vous aimez le travail que nous faisons, je vous prie la main sur le cœur de pouvoir le faire parce que c'est un geste simple, un geste banal, mais qui nous protège contre toutes les actions de malfaisance que certaines personnes voudront bien attenter contre nous. Aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez-la et ça nous fera énormément plaisir. Et puis troisièmement, je voudrais ici vous appeler à appeler notre amie Judith Londolé Betoko. Appelez notre amie Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Judith, c'est donc notre partenaire. Elle est femme d'affaires. Elle a sa boutique. Ça s'appelle la boutique La Londoloise. Elle habille les hommes. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, s'il vous plaît, appelez donc Judith Londolé Betoko. Veste, chaussures, cravate, chemise, maillot d'écorce, qu'on appelle aussi communément cinglé, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme, chaussures, chaussettes. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko, commandez vos vestes. C'est important de les faire. C'est aussi une marque de soutien. Parce que moi, j'ai des partenariats avec elle. Quand vous commandez, moi, j'ai des feedbacks, tralala, tralala. En passant d'ailleurs, le t-shirt que j'ai mis encore aujourd'hui, c'est Judith Londolé Betoko qui m'habille. Elle a des vestes extraordinaires. C'est parce que moi, ces jours-ci, je ne veux pas mettre de veste. Mais s'il vous plaît, si vous aimez vous habiller en veste, appelez Judith Londolé Betoko, vous serez énormément servi. Je voudrais dire très sincèrement merci à une téléspectatrice. Je ne veux pas citer son nom. D'ailleurs, je ne connais pas son nom aussi, parce que même si je le connaissais, elle ne m'a pas autorisé. Elle m'a appelé, hein, elle m'a appelé pour me dire, écoute Perrault, moi je suis une femme, je n'ai rien acheté chez Judith Londolé Betoko, mais je vais plutôt acheter quelque chose pour vous. ce soir, Judith Londolé m'a appelé pour me dire qu'il y a une téléspectatrice de Belgique qui a appelé, qui a envoyé 100 euros. Et elle a dit, de ces 100 euros-là que je trouve, c'est que je peux te donner avec ça. Ça m'a énormément touché. Ça m'a énormément touché. Je voudrais ici vraiment, je sais qu'elle me suit. Et puis elle m'a dit quelque chose. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis en train de vous bouffer votre temps. On va parler de ce qu'on va parler. C'est aussi bien de temps en temps de sortir un peu du contexte pour nous permettre de se familiariser davantage. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer, que je partage souvent avec mes téléspectateurs quand j'ai fait des émissions à l'OCPL, parce que là, c'est vraiment la famille, c'est quand on discute en famille. Elle m'a dit qu'elle était en train de me regarder avec son mari. Elle était en larmes. Et son mari lui a dit, Ah, tika bango, bazala kakaboye. Eliezer Tambou, je la cite parce que c'est elle qui m'a dit, Eliezer Tambou, Ayakapeka Kaboye, Lelo Azawapi, Pero Oyope, Lomita Moussou Sokoma Bon. Je ne sais pas.
elle en a parlé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on me dise ça. Je vous l'ai dit toujours. Moi, j'ai déjà reçu un coup de fil d'une maman qui m'appelle, qui me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle prie et prie, et puis à la fin, elle me dit, mon fils, le travail que tu fais, ne nous fais pas comme Eliezer Tambo, ce qu'Eliezer Tambo a fait. Je ne sais pas ce qu'Eliezer Tambo vous a fait. Mais ça me mène à mon Dieu, que Dieu m'aide à être digne de la confiance que vous placez sur moi. Sincèrement, c'est des petites phrases, mais quand tu restes toi-même dans ta chambre, tu te dis, mais bon sang, donc il y a des gens qui croient tellement à moi que ils n'arrêtent pas de me répéter ça. Ne fais pas ce qu'Eliezer a fait. Je ne sais pas ce qu'Eliezer a fait, mais ça me turlupine. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce d'être à la hauteur des attentes des gens, de ne pas décevoir. Je ne sais pas ce qu'Eliezer vous a fait. Je ne sais pas ce que moi je suis en train de faire. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Mais j'en reçois quand même des tonnes de choses comme ça où on nous dit que Bozala kakaboye ko décevoir bisoté ba mususu baya kakaka lokola yo. Quel poids de responsabilité sur les épaules quand on te répète ça, on te répète ça. J'ai dit toujours à mes téléspectateurs, moi je ne sais pas ce que je fais, mais ce dont je suis sûr est que j'ai dit des choses par conviction. Est-ce que je serai politicien demain? Est-ce que je ferai la campagne demain? Je n'exclus rien, mais je ne sais pas. Mais c'est des choses qui t'amènent. Sincèrement, que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide. Je pense aussi que si vous nous aimez, votre responsabilité, c'est de prier aussi pour nous, pour qu'on ne vous déçoive pas. Parce qu'à un moment donné, quand vous regardez la situation de votre pays, chers frères, ce grand pays que Dieu nous a donné, c'est... ce merveilleux pays que nous avons, nous sommes riches, extrêmement riches. Quand vous regardez la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment un si grand pays, aussi riche que ça, peut se retrouver dans des situations de banqueroute, peut avoir des autorités aussi irresponsables que celles qui sont au pouvoir aujourd'hui, peut avoir une inconscience exagérée comme ça à son sommet. Et c'est une malédiction. Qu'avons-nous fait au bon Dieu, à la nature, pour mériter ça? Pour mériter la pourriture dans la politique, pour mériter la pourriture dans les études, pour mériter la pourriture dans les églises, pour mériter la pourriture dans la culture. Ce pays-là n'a plus de référence. Le pays est en train d'aller... Et quand ce sont tes téléspectateurs qui te rappellent, je vous dis la vérité, c'est... Ah là 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 là, je vous dis la vérité, ça fait trembler. Donc je voulais vraiment, très sincèrement, lui dire merci. Merci à vous, maman. J'ai reçu le message. Vous avez envoyé 100 euros à Judith Londolé, mais tôt que vous lui avez dit, moi je suis une femme, je n'ai rien à commander, je vous envoie 100 euros. Demandez, trouvez quelque chose de 100 euros, envoyez à Perrault. En tout cas, ça me touche. Ça me touche énormément. Et je tenais à vous le dire en public. Et... je tenais aussi à vous remercier. Les amis, je viens aujourd'hui pour qu'on parle de questions très très importantes qui engagent notre pays. De questions qui déterminent notre avenir et notre devenir. Et de questions qui expliquent la difficulté, la médiocrité, les problèmes que nous avons actuellement sur notre gouvernance, sur notre avenir, et qui ont un impact très sérieux, très négatif sur notre devenir et sur notre avenir. Mais souffrez que je dise pendant 3 minutes, que je vous rappelle tout simplement que dans l'est de votre pays, en République démocratique du Congo, nous avons des sérieux problèmes. À l'heure où je parle, et ça fait quoi, 10 minutes, 11 minutes que j'ai commencé l'émission, ça brûle, ça massacre et ça viole. J'ai vu les enfants reprendre les cours. J'ai vu que à Rutshuru, dans certains coins, les enfants sont dans l'impossibilité de reprendre le cours. Parce que les écoles ont tout simplement été occupées par des réfugiés internes, des femmes, des hommes, des enfants qui n'ont rien demandé, qui n'attendaient rien des personnes. Mais seulement parce qu'ils sont des Congolais et qui vivent dans ces situations-là, ils ont été dans l'obligation de quitter leur pays, de quitter plutôt leur maison pour fuir la guerre. Et là, ils ont assiégé des écoles au point où la rentrée scolaire est impossible parce que les écoles sont tout simplement assiégées. J'ai suivi ce matin avec l'art. Et je me suis dit, quel irresponsable, l'administrateur du territoire de Rutshuru, un militaire que M. Tshisekedi a envoyé là-bas. Il expliquait sur RFI ce matin, il dit,
Oui, écoute, nous avons des problèmes, mais il y a des ONG qui ont construit des abris. Ces abris-là ont été occupés par les réfugiés revenant de l'Ouganda. Nous allons discuter encore de ces ONG, avec ces ONG-là pour avoir la possibilité d'avoir d'autres abris, pour faire quitter des gens qui sont dans les écoles. C'est-à-dire que la République remet son sort entre les mains des ONG. Et vous avez l'administrateur d'un territoire qui est le représentant de l'État dans ce coin du pays, qui ne se prive pas sur un média international, sur une chaîne internationale, de pouvoir dire que nous allons encore discuter avec les ONG. Donc le Congo, le grand Congo, est incapable de trouver des bâches et de construire des abris pour son peuple. Le Congo a les moyens pour donner chaque voyage à M. Tshisekedi 2 500 000 dollars pour qu'il aille assister à une fête de mariage qui ne nous engage en rien. Le Congo a des moyens pour que M. Tshisekedi prenne plus de 4 millions de dollars, qu'il aille s'amuser avec ses amis, avec ses courtisans à Marbella. Le Congo a de l'argent pour donner 3 millions de dollars à Mbosso, un individu, de payer 200 000 dollars à André Mbata. Le Congo a de l'argent pour engraisser Bahati Lukwebo, pour payer plus de 40 000 dollars à un ministre. Mais le Congo n'a pas la possibilité de pouvoir construire des abris, des bâches pour ses citoyens. Et le comble des ridicules, voilà là où nous sommes tombés. Vous avez un administrateur du territoire qui lui représente l'État dans ce coin, qui vient exprimer la faiblesse en public de tout un État. Comme on est dans un domaine de jouissance, les gens ne sont même pas prêts à se mouvoir. Mais je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai appris que le Rwanda, accusé de soutenir le M23, a distribué des kits scolaires aux enfants de ce coin de la République, alors que leur propre pays, leur propre gouvernement n'a rien fait. Chaque jour qui passe, vous allez vous rendre compte de l'inutilité du régime Tshisekedi. C'est un régime inutile. Un régime inutile. Je vais les démontrer dans les lignes qui suivent. Parce qu'en réalité, les spécialistes des sciences po vous diront que scientifiquement parlant, pour avoir un État, l'État a des éléments constitutifs qui font qu'on puisse dire que c'est un État. Traditionnellement, il y en a trois. On parle du territoire, on parle de la population et on parle d'un gouvernement. Quand vous avez la constitution de ces trois éléments-là, donc vous avez un territoire, le Congo, 2 345 410 km², vous avez une population, les Congolais, 450 tribus ethnies à peu près. Et vous avez un gouvernement, malheureusement, celui qui est là, c'est un gouvernement des jouisseurs, des incompétents, dirigé par un incompétent qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est quand même un gouvernement. Et la constitution de ces trois éléments amène donc à dire que nous sommes un État. Il y a aussi un autre petit élément que certains ajoutent, c'est la souveraineté, c'est-à-dire la reconnaissance des autres. Mais il y en a qui ajoutent un autre élément. Ils disent qu'on peut se retrouver dans une situation d'un État non-État. Vous êtes véritablement un État parce que vous remplissez ces trois éléments-là. Mais vous ne pouvez pas être considéré comme un État. Vous êtes dans une situation d'un État non-État quand l'État est dans l'impossibilité de remplir ses missions régaliennes. Parce que quand vous lisez des gens comme les Thomas Hobbes, les Rousseau et les autres, des gens qui ont réfléchi sur la théorie de l'évolution de l'État, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'État est né de cendre de la volonté à vouloir, de la volonté à avoir quelqu'un qui organise des choses et qui nous permet de quitter la situation de l'État jungle pour avoir une cité et des communautés organisées. Parce que on va vous parler notamment de la notion de l'État, de Léviathan, et ça va évoluer. Mais lorsque vous êtes dans une situation où l'État est dans l'impossibilité de remplir ses missions régaliennes, certains théoriciens disent que nous sommes dans une situation d'un État sans État. C'est-à-dire que là, au Congo, nous sommes dans une situation d'un État non-État. Parce que l'État est incapable de répondre. De remplir ses missions régaliennes, la protection, le bien-être, l'amélioration des conditions des citoyens. Le Congo est donc dans cette situation-là d'un État non-État. Et croyez-moi, ces jouisseurs qui sont au pays aujourd'hui depuis 4 ans ne pourront nullement, nullement nous aider à sortir de cette situation
Au contraire, et bien au contraire, ils vont plutôt durcir encore la situation et vont encore nous amener vers l'enfer. Donc, la situation dans votre pays est catastrophique. Je suis en train de m'organiser. J'ai pris contact avec certaines ONG. Dans les jours qui arrivent, on va créer une grande famille. J'appellerai ça famille CPL ou dynamique CPL, je ne sais pas. Mon souci, c'est aussi d'aller au-delà des discours vers l'entraide. Nous devons apporter le pot que nous pouvons pour améliorer les conditions de nos peuples. Tout ça, on est en train de réfléchir. Mais je vous dis que la situation dans votre pays est seulement catastrophique. Donc, je voudrais vous alerter, je voudrais vous rappeler. Vous me regardez peut-être dans votre salon avec votre pop-corn, mais il y a une femme qui est en train d'être violée par 9 personnes à l'heure où je parle. Il y a un homme qu'on est en train de décapiter à ce moment ici. Il y a un enfant qui perd ses parents à ce moment, alors que vous, votre bébé est sur vos jambes. C'est catastrophique. Et aussi longtemps que nous ne prendrons pas nos responsabilités, nous comme peuple, je vais évoquer ça quand je vais entrer dans le développement de mes sujets. Ça va être très compliqué. La deuxième des choses, je l'ai fait pour dire à nos compatriotes de l'Est et de la République, soyez conscients, ne perdez pas espoir, restez debout, le meilleur finira par venir. Voilà ce que j'avais à dire sur deux, trois petites choses. Je vous ai pris combien de temps? Ne vous inquiétez pas, l'émission c'est une heure. Si je peux prendre 10 minutes pour dire un peu des tralala, lélélé, pour essayer un peu... C'est la famille, ça nous permet de nous rapprocher un peu plus. Hein. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas se voir en présentiel, mais ça permet quand même de créer un peu un équilibre entre le trop sérieux et l'entrée qui doit être assez commode. Je voulais parler aujourd'hui de la situation sociale de notre pays, avec notamment la pénurie en carburant. Mais bien avant, laissez-moi lire un document que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je reprends mes lunettes de lecture, désolé. J'ai vu que M. Pius Mwabilou, que j'ai tancé ici, m'a répondu. Ils ont fait un point de presse aujourd'hui. Il a fait faire un point de presse aujourd'hui à Kinshasa. J'ai le résumé du point de presse. Je vais juste lire 2-3 lignes. J'en parlerai très légèrement et puis on va aller à notre sujet du jour. M. Pius Mwabilou, je vois ici, c'est son parti politique, point de presse. Madame et Monsieur de la presse, bonjour. Laissez-moi lire 2-3 paragraphes. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre. Voilà, ça c'est des tralala. Ils sont en train de louer Tshisekedi. Notre échange va tourner autour de la position de notre parti, le Congrès national congolais qui fait partie, nommé, qui fait partie de l'Union sacrée avec les mandataires nommés par son excellence. Ça c'est des tralala. Oui, ils veulent que M. Tshisekedi comprenne que ce sont des laudateurs. Allons, alors... Nous tenons donc à relever ce qui suit. Premier point, au sujet de la nomination des mandataires publics. Pius Mwabilou dit, le CNC se réjouit de la nomination de certains de ses militants, notamment à l'OCC, Office de route, Sokimo et aux lignes maritimes congolaises. Le CNC précise que le choix de ces mandataires a été opéré sur base d'un critérium bien établi, prenant en compte la formation, l'expertise, la compétence et même la géopolitique, à la grande satisfaction des militantes et militants du parti. Point. Je suis venu vous révéler ici que Pius Mwabilou a fait nommer des gens sur base du népotisme. Il a fait nommer les gens sur base des relations familiales. Et monsieur a organisé un point de presse pour me répondre. Mais il... Vous en conviendrez avec moi qu'en lisant ce communiqué, M. Mwabilou ne me répond sur aucun point. Allons sur le point où il dit, les gens ont été nommés sur base de la compétence, voilà, bien établi, critérium bien établi, prenant en compte la formation, l'expertise, la compétence et même la jeu. De quelle expertise parle M. Mwabilou? Quand M. qui est ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, prend sa fille de 28 ans ou de 29 ans, qui n'a aucune expertise. Pius parle de la compétence. La fille de Pius, Christelle Mwabilou, a monté ses limites et son incompétence dans la gestion de leur boutique familiale qui s'appelle RTGA, Radio Télévision Groupe L'Avenir. Dans cette chaîne-là, les amis, je vous regarde, ça fait 32 mois que des centaines, je vois, des Congolais travaillent là-bas et qui sont impayés. Le salaire de base, c'est 80 à 100 000, moins de 50 dollars.
Mais cette fille, Christelle Wabilou, directrice générale de la RTGA, a 32 mois d'arriéré de salaire, un salaire de moins de 50 dollars par mois. Son père, pour me rencontrer dans ce que j'ai dit, il vient vous dire la compétence. Je l'ai dit en regardant plus dans les yeux, que plus vous n'aimez pas ce pays. Et plus Wabilou qui a proposé, et Félix Tshisekedi Tshilombo qui a posé sa signature, il n'aime pas ce pays. Comment on peut prendre une grande entreprise comme l'OCC, qui gère sous le contrôle des marchandises rentrant dans le pays, des éléments qui doivent rentrer dans le pays. Vous allez donner ça aux mains inexpertes de Christelle Wabilou, 28 ou 29 ans. Parce que Christelle Wabilou est fille de Wabilou. Christelle n'a aucune compétence. Elle n'a aucune technicité dans ce domaine-là. D'ailleurs, il n'en a aucune. Elle n'en a aucune. Si on doit parler des compétences, vous allez vous rendre compte qu'elle est incompétente parce qu'elle n'a pas su gérer la boutique familiale qui est la RTGA. Quand Pius parle des critériums des compétences, il parle de quoi? Je vous dis que Pius a fait nommer cette fille-là de 28 ans, 29 ans, directrice générale adjointe de l'OCC. Et à l'office des routes, il a fait nommer son neveu, le fils de sa sœur, de sa cousine, M. Kikangala, qui est son neveu propre. Et je posais la question à Pius Wabilou. Vous voulez me dire, et vous, et Félix Tshisekedi, qu'au pays, qu'au CNC, il n'y a pas de compétences. Les seules compétences qu'il y a là-bas, c'est la fille de Pius Wabilou. Sans sérieux. Sans sérieux. Et le deuxième point qu'il évoque ici, il parle des maisons qu'il a récupérées de l'État. Congolais, écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que nous laisserons ces incompétents, ces jouisseurs, ces jouets de nous comme ils sont en train de faire, nous allons chaque jour qui passe aller à grands pas vers le mur et vers la mort. Monsieur Pius Wabilou est tout simplement l'exemple d'une honte, l'exemple d'un népotisme installé au sommet de l'État. Sa fille n'a aucune compétence. Sa fille a montré ses limites dans la gestion de la RTGA. Quelqu'un qui a été incapable de payer un salaire de moins de 50 dollars. Pendant 32 mois d'arriéré de salaire, vous prenez celle-là, vous allez lui donner la gestion d'une grande entreprise comme l'ECC. Et son père, toute honte et but, vient vous dire, chers compatriotes, que le critérium s'est fait sur base des compétences. J'ai mis des éléments sur la table et Pius a été incapable de me rencontrer sur base de ces éléments. J'ai vu qu'ils ont aussi envoyé certains charlatans, certains journaleux m'insulter. Mais qu'est-ce que je reproche à Pius Wabilou? Je reproche à Pius Wabilou son népotisme. Je reproche à Pius Wabilou et à son autorité morale, Félix Tshisekedi, le manque d'amour pour ce pays. Parce que je ne m'expliquais pas que Félix Tshisekedi, qui dispose des services de renseignement, ne puisse pas prendre le soin d'avoir des informations sur des personnes qu'il est en train de lever dans ce pays-là. Je reproche à Pius son népotisme. Pius est ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat. Il fait nommer sa fille, Christelle Wabilou, 28 ans, incompétente, qui n'a aucune expertise, qui a démontré ses limites dans la gestion de la RTGA, 32 mois d'arriéré des salaires. Il l'a fait nommer directrice générale adjointe de l'OCC. Et Pius ne s'arrête pas là. Il prend son neveu, M. Kikangala, qui est fils de sa sœur, sa cousine propre. Il le fait nommer directeur général à l'office des routes. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Et je vous ai étalé le népotisme que Pius a installé dans son cabinet. Son directeur de cabinet s'appelle Malangu Wabilou. C'est son frère, son cousin. Malangu Wabilou a pris son fils Emmanuel Wabilou, qu'il a fait nommer sans aucune expérience, sans aucune compétence, conseiller d'un grand ministère comme le ministère des Affaires étrangères, parce qu'ils ont un poste de vice-ministre là-bas. Pius a pris sa fille, Stéphanie Wabilou. Il a fait d'elle toute puissante dans son cabinet. À côté de Stéphanie Wabilou, vous avez Winnie Wabilou, qui est aussi fille de Pius Wabilou, qui elle aussi est dans son cabinet. Mais par-dessus tout, Winnie Wabilou était la suppléante de son père. Aujourd'hui, elle est aussi députée parce qu'elle a remplacé son père Pius Wabilou à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai dit. Et on ne s'est pas arrêté là. Écrivez, demandez à Pius de me rencontrer sur ce que je suis en train de dire. Pius a pris ses gendres, ses beaux-fils. Il les a amenés et il les a bombardés. J'ai parlé d'un certain Mikalou Kidi,
qui est le mari de sa fille Stéphanie. Plus l'a pris, il a fait nommer conseiller encore au ministère des Affaires étrangères. J'ai parlé de Yannick Foundou, mari de sa fille Winnie, qui est aujourd'hui le tout-puissant chargé des missions de son beau-père dans le cabinet de Pius. J'ai parlé de Mireille Kavungu, qui est la maîtresse de Pius Mwabilou. Sa maîtresse, pourquoi? Parce que son propre mari, M. Freddy Michel Kanga, ancien directeur général de la RTGA, l'a accusé publiquement. Il a accusé Pius de prendre sa femme, Pius a botolié Mwasi. Mwasi n'est yandaku, mama yabana na ye. Pius a okendak. Il a cassé ce couple-là, il a cassé ce foyer-là. C'est monsieur-là que vous voyez, Pius Mwabilou. A boma libala ya bato. Akenda botoli moutou mwana Mwasi. Et lorsque Michel Kanga est venu se plaindre, Pius l'a pris. A memi a tiré na makala. Et la Mireille Kavungu dont est question ici, Pius a memi sous na cabinet. Donc, je résume, je vous ai dit hier que dans le cabinet de Pius, vous avez des filles, vous avez des femmes, vous avez des maîtresses, vous avez des amis, vous avez des cousins, vous avez des frères, vous avez une constellation. Et j'ai terminé en disant que c'est une honte pour ceux qui sont aujourd'hui membres du parti de Pius Mwabilou. Rencontrez-moi sur ces éléments-là. J'ai vu que vous êtes passé à la télé pour m'insulter. Est-ce que ce que je suis en train de dire est faux? Monsieur Pius Mwabilou, si tel est le cas, tous les jours avant mes émissions, je vais commencer à répondre à ces éléments ici. Jusqu'au jour où Pius, comme il veut me répondre, qu'il me rencontre sur les éléments. Mireille Kavungu, est-elle la maîtresse, oui ou non, de Pius Mwabilou? C'est connu de tout le monde. C'est connu. Son propre mari, Michel, l'a déballé en public. Au Botoli Moutoumouassi, au Zio Kangisi, au Yena Mwassi, on a cabiné. Mais c'est des éléments que j'ai mis sur la table. Mais au lieu de me rencontrer sur ces éléments-là, Pius Mwabilou a plutôt envoyé les gens à la télévision pour m'insulter. Et ils ont organisé une conférence de presse aujourd'hui où ils ne parlent que de... Ils disent, oh non, des gens... Attendez, les amis. Dites à Pius Mwabilou Mbayou Moukala de me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table. Est-ce que je suis en train de mentir? Parce que là, ils ne le disent pas. Il ne peut pas prendre sa fille incompétente de 28 ans, 29 ans et la faire nommer. Ici, je tiens M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, vous paierez. Vous allez payer la destruction de mon pays. Retenez ce que je vous dis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le népotisme, la destruction accélérée que vous êtes en train de faire dans ce pays-là, vous le payerez. Et si vous ne payez pas, vos enfants les paieront. Vous n'allez pas manger tout l'argent que vous êtes en train de payer là en paix. Vous ne le mangez. Même l'esprit de votre père se lèvera contre vous. Même l'esprit de votre père. Un président de la République n'appose pas sa signature dans un document n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez une présidence de la République. Moutounio Sotoza n'a pas donné à ça l'IPECA. On ne distribue pas les dossiers. Nullement. On ne distribue pas les dossiers. Tout le monde a son dossier. Il voit le président. Mokondi, Kopesalien. Mokondi. Tout le monde a son dossier. On a installé la médiocrité au niveau le plus élevé au sommet de l'État. Vous paierez ça. Les Kimbangu, l'équipe a vite à l'étienne, c'est ce qu'ils vont se réveiller. Payez comme vous payez. Vous paierez ça. La nature est juste. La nature paye. Vous allez payer ça. Continuez. Les amis, je voulais qu'on parle d'une situation catastrophique. À l'heure où nous parlons, il est impossible de se déplacer à Kinshasa. Il n'y a pas de carburant. Il y a les véhicules font la queue dans les stations. Les avions n'arrivent plus à assurer leur rotation. Ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas de carburant. Et vous avez un ministre qui s'appelle Didier Boudimbou. Je voudrais m'attarder sur ces messieurs-là aujourd'hui. Lui, il est ministre des hydrocarbures. Mais avant de parler de Didier Boudimbou, l'année passée, je ne me rappelle plus, je n'étais pas si c'était au mois de novembre, moi, je ne sais pas moi, l'année passée 2021, je crois, j'ai fait une émission avec Didier Boudimbou. C'était une émission collective. J'étais avec mon ami Élisée Odia et Jesse Kabassele de la RTNC. Je vous pose cet extrait de quelques questions que j'ai posées à M. Boudimbou. Regardez, vous, Congolais, votre ministre des hydrocarbures, et je veux revenir pour développer mon sujet. Si la réalisation est bien prête avec moi, suivez Didier Boudimbou.
et on revient. On a eu le temps de pouvoir prendre des formations parce qu'en arrivant, quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général, qui est encore secrétaire général actuellement des hydrocarbures, M. Christian Kankou, pour prendre des formations. On a pris des formations, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a pris, je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. Je suis curieux de savoir quels ont été les modules. Est-ce que ce n'est pas la preuve que M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures? Vous le reconnaissez sans le dire. Vous avez eu besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème du Congo, placé à des postes importants, des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. Et je pense que vous le savez, peut-être, je ne sais pas, avant d'être journaliste, vous avez fait une formation avant, peut-être. Mais il y en a qui n'ont pas fait de formation avant, mais qui avaient une vision et qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On va prendre un secteur aussi important que celui-là, donner un novice, et il nous dit publiquement qu'il a pris 2 semaines pour comprendre son ministère. Mon pays, les hydrocarbures de mon pays sont dirigés par quelqu'un qui me dit qu'il a pris 2 semaines pour comprendre le secteur. C'est grave, monsieur le ministre. Pas du tout. Là, ça veut dire une chose, c'est que nous sommes là. On ne se dit pas que nous sommes les meilleurs, mais on veut changer les choses. Nous sommes là pour changer les choses. Nous ne sommes pas là pour faire la gueule, pour se mettre à parler, pour dire des choses. Chers compatriotes, vous ne rêvez pas. Vous venez là de suivre votre ministre des hydrocarbures qui s'appelle Didier Boudimbou. Ministre des hydrocarbures. Aujourd'hui au pays, les avions ne décollent plus. Les taxis et les taxibus, il n'y en a plus. Il faut faire des jours et des jours et faire la queue dans les stations-service pour avoir les carburants. Dites-moi, chers frères, soyons sérieux avec nous-mêmes. Comment est-ce que vous ne pouvez ne pas manquer du carburant quand votre secteur des hydrocarbures est dirigé par une main inexperte comme celle de Didier Boudimbou? Lorsque ce secteur stratégique de la République est dirigé par une incompétence comme Didier Boudimbou, dire de quelqu'un qu'il est incompétent, il n'a pas de compétences. Un ministre de la République, chef d'un département des secteurs aussi importants que les hydrocarbures, il vient à la télévision vous dire qu'il a pris 2 semaines pour apprendre le secteur des hydrocarbures. Et pour apprendre, c'est son secrétaire général. C'est lui qui est censé recevoir les ordres de sa part. C'est le secrétaire général qui lui a appris en 2 semaines le secteur des hydrocarbures. Quand le ministre s'est fait enseigner par son secrétaire général, mais comment il peut donner, le secrétaire général peut lui dire, monsieur, c'est moi qui t'ai enseigné, c'est pas ce que j'étais appris. Pourquoi vous pouvez vous étonner aujourd'hui de manquer le carburant quand vous prenez le secteur stratégique comme les hydrocarbures, vous allez donner à un incompétent comme Didier Boudimbou. Il vous étale son incompétence sur la place publique. Il vous dit, le département que vous me donnez, je ne connais rien et je ne connaissais rien. J'ai eu besoin de 2 semaines. Chers compatriotes, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans 2 semaines? Quels sont les modules que M. Boudimbou a appris dans deux semaines pour comprendre le vaste secteur des hydrocarbures? Quels sont les modules que M. Boudimbou a appris dans 2 semaines pour avoir une vision sur les hydrocarbures de la République démocratique du Congo? Mais pourquoi on s'étonne aujourd'hui de manquer les carburants? Pourquoi on s'étonne aujourd'hui d'avoir des ruptures des stocks dès lors que la tête nationale de ce département est dirigée par un incompétent qui n'a pas eu honte d'avouer publiquement son incompétence qui s'appelle Didier Boudimbou? Mais vous êtes sous un manguier, mais vous voulez avoir des avocats. Vous voulez avoir des avocats, allez devant un avocatier. Mais qui est Didier Boudimbou, les amis? Je vais ici lancer un appel pathétique au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que
Le président Félix n'est pas là pour le bien du pays. Le président Félix est là pour son propre intérêt. Mais le président Félix doit quand même avoir un peu pitié pour nous. Monsieur Didier Boudimbou, à part le ministère, il n'a rien fait de sa vie. Il est donc venu dans les wagons de la diasporie que Monsieur Tshisekedi nous a ramené. Des gens qui étaient en Europe, non pas pour des raisons, je veux dire, louables, nobles. Didier Boudimbou est un repris de justice, les amis. Repris de justice. Il est fiché en Belgique comme un repris de justice. Didier Boudimbou a été condamné en Belgique, pas une fois. Déjà, plusieurs commencent par deux. Didier Boudimbou, j'ai vérifié dans les fichiers, il a notamment été condamné. Il a fait la prison à Saint-Gilles. Ceux qui habitent la Belgique, vous connaissez la prison de Saint-Gilles. Et il a même aussi fait la prison de Forest. Didier Boudimbou a fait la prison à Saint-Gilles. Didier Boudimbou a fait la prison à Forest. Une fois, monsieur a été condamné pour escroquerie. J'étais en train de lire la déposition d'une famille. De quoi s'agit-il? En fait, il est allé tremper dans une histoire d'escroquerie. Laissez-moi retrouver certains de mes notes. Il est allé vendre des biens précieuses, fallacieuses, à des épargnants belges. Ils ont mis en place un circuit pour escroquer des épargnants belges. Donc, ce n'était pas des grands Richards, mais c'était des petits Belges qui avaient leurs épargnes. Messieurs, avec sa bande, ils ont créé un circuit et ils ont escroqué des épargnants belges dans une affaire de vente des matières, diamants ou de l'or. Et les notes que je suis en train de lire les plaintes d'une famille parce qu'un des épargnants s'est même suicidé. Parce que la bande des escrocs lui avait tout ravi. Il s'est même suicidé. Et sa famille estime que son suicide n'est pas un suicide normal. Il soupçonne que l'homme ne s'est pas véritablement suicidé. Il y a un problème, un suicide maquillé. Et qui était à la tête de cette escroquerie des épargnants belges? C'est un certain Didier Boudimbou. C'est connu. Il a été condamné, les amis. C'est un repris de justice. Congolais Didier Boudimbou à Kinshasa, posez-lui la question. N'a-t-il pas été pensionnaire de la prison Saint-Gilles en Belgique? N'a-t-il pas été pensionnaire de la prison Forest en Belgique? C'est un repris de justice. Il a fait la prison entre autres pour escroquerie. Mais comment M. Tshisekedi, président de la République, pouvait-il prendre ces repris de justice qui reconnaît publiquement son incompétence? Parce qu'il vous dit que j'ai appris les notions des hydrocarbures en deux semaines. Comment monsieur pouvait-il prendre cet incompétent repris de justice et lui donner un grand département comme les hydrocarbures? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? C'est monsieur a la responsabilité de gérer un secteur aussi stratégique que les hydrocarbures. Aujourd'hui, on parle des blocs pétroliers. C'est des blocs qui doivent amener à la République des milliards de dollars. Mais le secteur est entre les mains de Didier Boudimbou, qui vous a dit publiquement que je suis incompétent, qui vous a dit que je ne connais pas ce secteur, qui vous a dit que j'ai appris les ABC de ce secteur en deux semaines, 14 jours. Qu'est-ce que monsieur a appris en 14 jours? Vous prenez un secteur important. Donc, messieurs et les correspondants et les répondants de la République devant des grandes sociétés comme Total, comme Chevron, toutes ces grandes sociétés des hydrocarbures, vous allez donner ça à Didier Boudimbou. Et vous vous plaignez aujourd'hui pourquoi vous n'avez pas de carburant. Mais vous voulez gagner. Vous avez sémé l'incompétence. Mais vous n'allez récolter que le fruit de l'incompétence, les amis. Tu sais que Didier n'aime pas le pays. Je vous ai parlé de la fille de Mwabilou. Je vous parle aujourd'hui de Didier Boudimbou. Nous avons des problèmes. Mais pourquoi nous avons des problèmes? Donc c'est la troisième fois en quelques temps que nous avons des ruptures des stocks de carburant. Tous les pays tels qu'il est là, nous sommes en rupture des stocks de carburant. Est-ce que vous vous rendez compte? CEP Congo qui gère logistiquement la situation du carburant dans le pays avait déjà alerté M. Boudimbou sur la situation catastrophique. Ça, c'est la troisième fois.
Parce que les deux premières fois, on était pratiquement en banqueroute en termes de carburant. Nous sommes allés plaider auprès de l'Angola. C'est l'Angola qui nous a dépanné la première fois. L'Angola nous a dépanné la deuxième fois. Ça, c'est la troisième fois et mes informations indiquent que l'Angola a dit pas question. L'Angola a protégé aussi ses stocks. Notre étudiant de 14 jours aux hydrocarbures, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous permettre d'avoir des hydrocarbures, pour avoir le carburant? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Un secteur aussi sensible, les amis. Oh là là, je suis en larmes. Je suis en larmes. Ils ont pris ça, ils ont donné ça à Didier Boudimbo. On leur a dit, Kabila et la République avaient mis en place un système de bloquer les prix. C'est-à-dire, les prix ne bougent pas. Vous, vous êtes vendeur de carburant, vous gardez les stocks, vous gardez les prix. Les surplus et les ratés, l'État vous paye. Les surplus ou plutôt les manques à gagner. Et l'État doit aujourd'hui plus de 400 millions de dollars aux sociétés pétrolières qui évoluent dans le pays. Tu sais qu'il vous dit qu'il a multiplié le budget fois 3. On vous dit que le budget est passé à 10 milliards ou à 11 milliards. Un budget qui était de 4 milliards. Comment des gens qui ont multiplié leur budget à 10 milliards, excusez-moi, des gens qui ont multiplié le budget à 10 milliards sont incapables de payer 400 millions aux entreprises pétrolières qui sont aujourd'hui en banqueroute et ne savent plus fournir le pays. Mais à quoi sert tous les surplus budgétaires que la République aurait engagés? Excusez-moi. Vous avez un budget de 10 milliards, mais vous êtes incapable de payer vos charges. Il faut être Félix Tshisekedi pour comprendre ça. Et moi, j'ai discuté avec certains responsables, certains connaisseurs de ce domaine. En réalité, ils se disent, ces gens sont là pour leurs propres intérêts. Ils peuvent organiser une sorte de surchauffe dans le marché pour obtenir le paiement de 400 millions des sociétés pétrolières et avoir des commissions. Et Abel Rabakop, entre-temps, c'est le Congolais qui souffre. Le Congolais qui souffre. Ils ont pris un pensionnaire de la prison Saint-Gilles, de la prison Forest, vous qui habitez Belgique, allez vous renseigner. Qui s'appelle Didier Boudimbou, on lui a donné un grand secteur comme... Vous savez, avant qu'il lance des mandats d'avis, des recherches et des mandats d'amener... J'étais à Lubumbashi. On m'a dit qu'il y a un mandat d'amener contre moi. La justice a émis un mandat d'amener contre moi. Ok, j'essaie de me former. On m'a dit que c'est M. Boudimbou qui a porté plainte contre moi. J'étais pas seul. Boudimbou a porté plainte contre Perrault Louara, Peter Tiani et M. Lufrance Kouzekissa, à qui je renouvelle d'ailleurs ma solidarité et mon soutien, parce qu'il y a encore un autre mandat d'amener contre le journaliste Louis-France Kouzekissa, évidemment. Nous sommes dans la politique de Malouk et Kotonda. Félix a décidé à retourner sur Malouk. Je vérifie pourquoi M. Boudimbou m'a porté plainte. Je vais me rendre compte que Boudimbou m'a porté plainte en réalité. Parce que j'ai fait une revue des presses. Ce n'est même pas moi qui ai dit, c'était une revue des presses. Boudimbou a été arrêté, amené à la nerf. Il a passé la nuit à la nerf. Et les médias ont repris l'article. Certains médias ont estimé qu'il a été arrêté pour un problème d'argent. D'autres ont estimé que c'était pour un problème de sécurité. Moi, j'ai pris ces journaux, je les ai amenés sur la table. Et j'ai relayé ces informations. Sans engager ma responsabilité. Mais comme ils avaient besoin de me faire taire, ils ont donné l'ordre à Boudimbou d'aller me porter plainte. Quand on me porte plainte, j'essaie de chercher à savoir. Finalement, j'ai pu avoir Boudimbou au téléphone. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Boudimbou, ministre de son état, était dans l'incapacité de s'assumer comme tel. Il me dit que ce n'est pas lui qui a porté plainte, mais c'est sa maman qui est allée porter plainte. Attends.
Comment une plainte pour imputation dommageable, comme ils ont dit, imputation dommageable ou pour diffamation, vous, Boudimou, vous ne pouvez pas assumer votre action. Donc la plainte aurait été portée par sa mère. Mais quand vous avez un ministre qui est incapable d'assumer ses propres actions, même devant les cours et tribunaux, qui va porter plainte contre le journaliste et obtenir même un mandat d'amener contre eux, mais qui devant les évidences nie sa responsabilité, dit ce n'est pas moi, c'est ma mère. J'ai dit, mais le pays est dirigé par qui? Un ministre de la République, un mari, un père de famille, qui va ester en justice et dit ce n'est pas moi, c'est ma mère. J'ai dit, mon Dieu, Monsieur Tshisekedi va nous tuer nous tous. Monsieur Tshisekedi est là pour un suicide collectif. Si les éléments les plus banals, les plus inutiles de la vie, ces gens qui sont au sommet de l'État n'arrivent pas à s'assumer. Donc moi, j'ai eu des déboires en justice parce que Boudimbou estime que c'est sa maman qui est allée me porter plainte et lui, Boudimbou, ne veut pas assumer sa responsabilité par rapport à la plainte qui était portée contre nous. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme ça, incapable de s'assumer, qui va ester en justice contre trois journalistes connus dans ce pays-là. Après, il dit, ce n'est pas moi. Tout est honte et bu. Monsieur dit que c'est ma mère qui a porté plainte. Vous pensez qu'un homme comme ça peut assumer la responsabilité d'améliorer les secteurs du carburant et des hydrocarbures de ce pays? Vous pensez? Vous pensez? Vous pensez? Il est incapable d'assumer, de s'assumer, d'assumer ses propres actions. Et c'est à celui-là que notre Tshisekedi national est allé donner le secteur des hydrocarbures. Congolais, vous êtes mal barrés. Laissez-moi vous le dire en vérité. Comme ça. Congolais, vous êtes mal barrés. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays est une gestion criminelle en bande organisée. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est une gestion criminelle en bande organisée. C'est un suicide collectif décidé par ceux qui sont au sommet de l'État. Si nous laissons cette léthargie, si nous sommes un peuple amorphe, ces jouisseurs et ces incompétents vont nous amener, nous tous, nous, nos familles, nos enfants, notre avenir et notre devenir vers la mort. La mort est déjà là. Tu sais qu'il nous a déjà poussé vers la tombe. Qu'est-ce que nous attendons pour se lever contre ces gens qui sont au sommet de notre pays? Aujourd'hui, je suis convaincu. Je rejoins Alain Bolodjoie qu'il faut une révolution pour balayer ces hommes. Ce qui se passe à la tête de ce pays-là est une gestion criminelle en bande organisée. C'est une gestion criminelle, mais en bande organisée. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Ici, je vais lancer un appel pathétique à Monsieur Martin Fayulu Madidi. Je vais parler de Joseph Kabila Kabange. Je parle de Moïse Katumbi Tshapwe. Je parle de Matata et de ces gens qui sont de l'autre côté dans l'opposition. Katumbi, aussi longtemps que vous resterez dans cette histoire de l'Union Sacrée, vous porterez la responsabilité devant l'histoire. Martin Fayulu, Joseph Kabila, votre calme devant l'incompétence de ces gens qui nous amènent nous tous vers la mort, vous porterez la responsabilité. Vous serez tenus responsables de l'inaction devant les actes criminels de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous serez tenus responsables. Congolais, vous serez responsables de votre suicide. Vous ne pouvez pas être aussi amorphe. Laissez des incompétents, des jouisseurs, des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Vous prendre, amener votre pays vers la mort. Qu'est-ce que vous entendez pour que nous tous nous puissions nous lever? Pour nous dresser contre ces gens. Nous devons nous dresser contre ces gens. Dressons-nous contre Félix. Disons-lui, monsieur, tu es assez joui. Monsieur, tu es assez pillé. Tu es assez pillé. On en a marre. Nous n'en pouvons plus. La République a des problèmes de carburant. Lui prend des avions. Il prend ses courtisans. Il prend l'argent. Ils vont jouir en Belgique comme si de rien n'était. 3 mois, 4 mois, Bounagana est toujours bloqué. Mon Dieu.
Mon Dieu. Et nous regardons comme ça. Comme si nous étions des brebis muettes que Tshisekedi et sa bande étaient en train de drainer vers la tombe. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous un peu. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est comme ça qu'aujourd'hui, Félix se permet de cracher sur les gens en disant « ça, ce n'est pas une opposition faible. » Comme sur lui, Félix, il était en Belgique. Qu'est-ce qu'il avait fait dans l'opposition? Félix a fait quoi? Il a fait l'opposition quand? Il a fait l'opposition quand? Bozangi carburant, Bozanga maï, Biloga maï déjà a raté, Kouriz a raté. Tito Kozanga même potopoto, Tokozanga nyoso. Parce que ces gens sont venus pour payer. Ils sont venus pour nous mettre à genoux. Nos leaders, je vais ici parler du cardinal Ambongo. Je vais parler de Monseigneur Bokundoa. Des gens comme le Olengankoy. Les gens comme le Franck Diongo. Vous laissez votre peuple en train d'être enterré par ces gens. Vous laissez le peuple en train d'être enterré. Qu'est-ce que nous devons encore attendre pour nous lever et chasser ces gens, les amis? Qu'est-ce que vous voulez encore attendre? Qu'est-ce que nous sommes encore censés attendre, les amis? Félix et ses hommes sont en train de nous tuer à petit feu. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Ils sont allés ramasser toute la racaille de la diaspora là-bas. Alors que nous avons des compatriotes compétents. Des gens qui ont fait de bonnes études là-bas, ULB, Nabanani. Non, lui, il est allé prendre des repris de justice. Batoubaouti, ba prison, ba escroc, ba chekouleur. Bangonda ramassé à Yenabangokuna. Et ils ont fait de la gestion de la République une affaire des COP. Bayer COP. Bayer COP. Comment est-ce qu'on COP, Nabango? Comment est-ce qu'on COP? Et nous laissons ces peuples entrer dans... J'en appelle à la responsabilité de nos leaders d'opinion. Nos leaders politiques. Vous allez porter la croix et la responsabilité d'un suicide collectif mené par ces incompétents qui sont à la tête du pays. Vous porterez la responsabilité de tout ça devant l'histoire. Devant l'histoire. Vous porterez la responsabilité de tout ça. Nous devons nous lever, nous tous. Que l'on soit militaire, que l'on soit policier, que l'on soit civil, que l'on soit religieux, que l'on... Le Congo est le seul bien commun que nous avons. Nous ne pouvons pas laisser notre pays se liquifier comme ça. Nous ne pouvons pas laisser le pays se liquifier comme ça. Ici, je vais lancer un appel aussi pathétique à Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Maman Denise connaît le respect et la considération que j'ai pour elle. Elle le sait. Maman Denise, vous avez déjà récompensé Boudimbou. En 4 ans, vous lui avez donné ce que plus que ce que Boudimbou vous a donné. Parce que Boudimbou était au gouvernement grâce à Maman Denise. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Boudimbou est le ministre personnel de la première dame. Maman Denise, je vous en supplie, il est temps de sauver la République. Boudimbou en a déjà profité. Aujourd'hui, nous sommes là. À cause de son inexpérience, à cause de son incompétence. Il est temps de sauver la République. On ne peut pas laisser la République comme ça, maman. On ne peut pas. Si c'est votre ministère à vous, trouvez des Congolais compétents. Même dans la diaspora, il y en a. Donnez ce ministère-là aux gens qui peuvent apporter de l'espoir à ces peuples. Pas à ces repris de justice. L'ancien pensionnaire de la prison Saint-Gilles, l'ancien pensionnaire de la prison Forest, arrêté pour escroquerie. Arrêté pour escroquerie. Je vais vous amener son numéro d'écho ici. Je vais vous amener ce dossier de condamnation. Il le sait, tout le monde sait que Boudimbou est un repris de justice. Comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux quand nous prenons nos secteurs aussi importants? Vous prenez ces messieurs, vous le faites de lui interférence des grandes sociétés comme Elf, Elf Koute Koufa, comme Total, comme Engen, il y a Angola. On ne peut pas nous prendre au sérieux. On ne peut pas nous prendre au sérieux. On ne peut pas nous prendre au sérieux. Ça, c'est une série que j'ouvre. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il est temps qu'on s'occupe de notre pays. Il est temps qu'on s'occupe de notre pays. On ne peut pas avoir le carburant. Comment on peut avoir le carburant avec un homme comme ça? Comment on peut avoir le carburant avec un homme comme ça? Comment on peut avoir le carburant? Dites-moi, comment voulez-vous avoir le carburant avec un homme comme ça?
Comment on peut avoir les carburants avec un homme comme ça? J'ai des larmes, les amis. Ce qui se passe dans ces pays-là est inacceptable. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais revenir sur ça largement demain. À l'heure où je suis en train de faire cette émission, une scène des Far West se déroule en ce moment ici à la cité de Louis. La République est en train d'être déshabillée par M. Tshisekedi. Il y a des sociétés étrangères qui ont envoyé l'argent au Congo. Parmi ces sociétés, vous avez Caterpillar, vous avez Bombardier, vous avez même Glencore. Ce sont des investisseurs étrangers qui sont passés, qui voulaient venir investir au Congo et qui ont envoyé de l'argent sous couvert de la Société Financière Internationale pour investir dans plusieurs domaines dans le pays. Cet argent est déjà arrivé avant que Kabila ne parte. L'argent était logé dans un compte à la banque et la banque avait la responsabilité de créditer les comptes commerciaux aux besoins et au prorata des besoins de ces gens-là. Le premier lot était déjà vers la BCDC. Quand la BCDC a été vendue vers Equity, bon, ils ont gagné la banque centrale, un truc comme ça. Kabila, en partant, il a laissé cet argent-là. Tshisekedi est arrivé, il a engagé sa responsabilité personnelle. Sans aucune justification, il a vidé le compte de ces sociétés-là. 87 millions de dollars ont été vidés. Un détournement au sommet de l'État. Tshisekedi a détourné 87 millions de dollars. Ces gens-là ont commencé à se plaindre. Je veux revenir avec des documents et tout. Ces sociétés-là ont commencé à se plaindre. Ils ont mis la pression. Et au moment où je vous parle, certains biens de M. Tshisekedi, notamment en Espagne et en Belgique, ont été bloqués. Le Canada, notamment, a réussi à obtenir le gel de certains biens de M. Tshisekedi. J'ai des adresses. Il s'agit notamment des villas. Je viendrai vous dire tout ça ici. Ayant peur de ça, ça fait 2 semaines que Tshisekedi a organisé des négociations pour libérer cet argent-là. Et ils ont demandé à la Banque Centrale de prendre 87 millions dans une situation non expliquée. Il y a Sazoua qui est déjà lié et la banque a récupéré cet argent. Bah, même, à l'heure où je parle, l'argent se trouve au pavillon 6 de la cité de Loïa. Mais pour remettre cet argent-là, là, ça fait 10 jours que c'est dans cette affaire que le procureur Victor Mumba a été séquestré pour une semaine. Je l'ai dit ici, j'ai vu les gens écrire des communiqués. C'est faux, Mumba a déjà été retraité. Mumba a été remplacé par un autre procureur qui a prêté serment. Allez demander, Mumba n'a jamais fait la remise et reprise. Vous avez vu Mumba venir contredire ce que j'ai dit? Vous avez lu un communiqué de Mumba qui a dit qu'il n'a pas été séquestré? Mumba a été séquestré une semaine à cause de ces dossiers. Mumba entre dans ses mains 2 ou 3 dossiers parmi lesquels celui-ci. Il ne peut pas faire la remise et reprise. Posez la question au nouveau procureur. A-t-il déjà fait la remise et reprise avec Mumba? Vous avez vu ça dans quelle télé? Victor Mumba est encore dans ces dossiers. Je suis venu, je vous ai dit ici que j'ai écrit un article. J'ai vu, ils ont recruté les gens. Non, pas Mumba. Est-ce que vous avez vu Mumba me contredire? Ceux qui ont les numéros du procureur Mumba, posez la question à Mumba. Ils amènent 87 millions. Les Londres Tolba, pour m'appeler ça, 87 millions, ils veulent encore récupérer un peu d'argent dans les... Tous les vautours que vous connaissez un peu autour de Tshisekedi. Bah, si Valérie Démon à Liboso, on va détourner. Bah, comment est-ce qu'on exige sous Batana, Bakate là-bas? Mais sont sérieux. Mais comment on peut nous prendre au sérieux? Comment on peut nous prendre au sérieux? Et aujourd'hui, j'apprends, pour m'appeler ça, on va combien ou non? Ok, on va récupérer l'argent, mais quelles sont les garanties que nous, on va récupérer les biens de M. Tshisekedi qui ont été saisis? Mais pourquoi M. Tshisekedi a mis sa main à Mongabatou? Pourquoi M. Tshisekedi a mis son... Là où je vous parle, l'ambassadeur du Canada est en train de négocier avec eux sur les garanties qu'ils doivent donner pour que Tshisekedi récupère. Calmez-vous, c'est un dossier, un gros dossier. Je viendrai. Bon, c'est l'année qu'on est comme Atina Souka. Je viendrai. Quelle honte. Quelle honte. Remettez l'argent d'autrui. Vous avez demandé à Mme Mbouyou de prendre 87 millions qu'il a déjà ramené là-bas. Bon, c'est quoi le problème? Remettez l'argent d'autrui. Vous êtes là pour détourner. Pour vous, votre gestion à vous, c'est ça la gestion. Mbongozaki n'a pavillon 22 à la cité de Loïa. Balongola on a pavillon 22, Mamemi on a pavillon 26. 87 millions qui sortent comme ça des circuits bancaires sans aucune. Pour combler un détournement, une forfaiture organisée au sommet de l'État.
au sommet de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte déjà qui nous dirige? Dossier, on a la malile. On a mal lié. On a possible avant goût. Je reviendrai. Je suis venu ici. Je vous ai dit que va foutre ma députée 21 000 $. Hey, le coup t'as fini. Où est la l'autre commune? Je vous ai dit que, comment on dit, André Mbata avait par mois 850 000 $. 200 000 émoluments, 100 000 primes, 55 000 frais secrets de recherche, 500 000 Osama Lukundapé Sarai. Il a envoyé les gens m'insulter. Aujourd'hui, je vous parle. Jean-Marc Kabound, qui était là avant lui, a dit que j'ai dit la vérité. Kabound a témoigné que ce que j'ai dit est vrai. Kabound a dit que ce que j'ai dit est vrai. Je suis venu ici. Je vous ai dit qu'on va les frapper des sanctions. J'ai vu qu'ils sont allés chercher la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis qu'ils ont fait parler. Est-ce qu'une affaire des sanctions est une affaire des chargés d'affaires? Mais les sanctions américaines, c'est l'œuvre du département du Trésor. Quand le Corneille Nanga et les autres avaient été sanctionnés, c'est les chargés d'affaires qui étaient venus confirmer ça. Et même si c'est vrai, vous voulez qu'en public, une diplomate de ce niveau-là, chargée d'affaires d'une ambassade dans un pays étranger, vienne vous dire devant les caméras, oui, nous préparons les sanctions. J'ai vu qu'ils ont diffusé ça. Mais attendons voir si les sanctions ne viendront pas. Attendons voir. Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous agitez? Je suis venu ici. Je vous ai dit qu'on a séquestré Mumba depuis 10 jours. J'ai vu qu'ils ont même rédigé des faux communiqués. La communauté Sanga annonce que ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vous dis, j'ai reçu les remerciements. J'ai sauvé la vie de ce vieux papa-là. J'ai sauvé la vie de ce vieux papa. Est-ce que vous avez vu Mumba venir me contredire ici? Est-ce que vous avez vu Mumba écrire que ce que j'ai dit était faux? J'ai vu, ils ont dit, Mumba est déjà en retraite. Mumba n'a jamais fait la remise et reprise jusqu'aujourd'hui. Je lance un défi qui a une photo, qui a une vidéo d'une remise et reprise entre l'ancien procureur Mumba et le nouveau procureur. Qu'il vienne me défier ici. Qu'il vienne me défier. Je suis venu ici. Je vous ai étalé les abus depuis Soumabulo avec le nom de ses enfants. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui. Vous l'avez vu me contredire. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de 87 millions de dollars détournés par Félix Tshisekedi lui-même. L'argent des investisseurs étrangers venus dans le cadre des investissements à la Revue démocratique du Congo sous couvert de la Société financière internationale. Prenez votre mal en patience. Je viendrai vous démontrer ça ici et vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Nous sommes mal barrés avec ces gens. Mal barré, je vous dis. Et je fais quoi? Plus d'une heure. L'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir de vous présenter, malgré que c'est des thèmes qui choquent, qui font mal. Retrouvons-nous demain, les amis. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.